Salut les amis, c'est Kali et on se retrouve pour le dimanche Retro Gaming. Aujourd'hui on va tester Boulder Dash sur NES. Pour celles et ceux qui regardent la vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page YouTube directement, Kali Video Games, afin de me mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager un maximum et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Sur ce, bonne vidéo, c'est parti. Boulder Dash est sorti en 1984, c'est un jeu d'action labyrinthe avec de la logique et c'est sorti sur plusieurs plateformes à l'époque. Allez, c'est parti pour le niveau 1. Comme vous l'avez vu, en fait, le but c'est de ramasser un maximum de diamants. Donc là, vous le voyez en haut à gauche, j'ai 9 diamants ramassés. Et tout ça, faut le faire sans se faire écraser par les pierres. Enfin, du moins au premier level, puisque vous verrez après, il y a d'autres pièges. Là, le premier niveau, forcément, si c'est assez simple, c'est pour se mettre dans le bain. Moi, je les prends pas tous, hein. C'est vrai que ça rapporte des points, donc ceux qui cherchaient le score à l'époque, on essayait de tous les avoir. Ce qui n'était pas super évident des fois. Mais là, j'essaie surtout d'aller à la fin pour vous montrer un peu tout. Voilà, donc vous voyez, une fois que vous avez assez de diamants, ça vous dit d'aller à l'exit. Donc là il est en bas à droite, mais il sera pas forcément en bas à droite. Il apparaît que une fois que vous avez le nombre de diamants nécessaire. Alors, 3, 1, on en fait encore 5. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis bourré. Non, c'est pas ça. Ah, arrête de faire ta... Non. Alors, encore 3. Donc là, vous pouvez pousser les rochers aussi. Il en manque encore un. Où c'est qu'il est ? Par là. Ah, il est en haut. Donc, faut que je bouge les rochers, là. Je pousse. Voilà, et maintenant on peut aller à la fin. Ouais, j'ai du bol hein. Encore un peu et puis je ne pouvais plus accéder à la fin. Allez, tableau suivant. On va prendre celui-là. Allez, on fait tout tomber, comme ça au moins ça ne tombera pas dessus. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, encore 4. Il y en a 2. Et les deux autres de l'autre côté. Voilà, et la sortie qui est juste là. Alors là, oh, j'ai failli me faire écraser. Hein. Donc là, le but c'est de lui jeter un caillou sur les papillons pour pouvoir les transformer en diamants. Pas comme ça. Allez, on tente une autre fois. De la tirer là.
Je fais des petites pauses de temps en temps parce que je réfléchis en même temps. À mon avis, j'ai fait le con. On va essayer une autre technique. Allez, on revient par là, toi. Voilà. C'est pas ce que j'avais prévu, mais bon, ça marche aussi. Il m'en faut encore 9, donc il m'en faut un deuxième. Je suis pas du tout sûr de moi, hein, comme vous le voyez. Allez, go! C'est parti! Viens là, viens là, viens là! Yes! Voilà! Allez, direction la fin. Et voilà, le premier monde fini. C'est parti pour le deuxième monde. Ice World. On va avoir des glaçons. Bon, bah déjà, il y a l'air d'avoir des genres de pingouins là. Il faut que je chope que 4 diamants. Donc je pense que là, il faut que j'évite les pingouins et que je chope les diamants en fait. On va la faire en loose. On va passer en dessous d'eux. Voilà. Toujours repérer le sens où vont les bestiaux. Oh, c'était juste celui-là, j'ai avancé un peu vite. Et voilà. Allez, deuxième niveau. Bon, je sens que je vais bien galérer avec celui-là. Ouais, je sais pas trop ce que je suis en train de faire là. Je fais n'importe quoi là. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Et puis là, si je descends, je vais me prendre tout sur la tronche. Ça. Ça se trouve, je fais n'importe quoi, hein, les gars. Allez, deux de mort. Il y a le temps qui défile là depuis chez vous. 3 de mort. Et le dernier, il est prisonnier. 3. Et le quatrième, en fait, il faudrait qu'on le libère. Voilà, on va le laisser se barrer. Et on va aller chercher le diamant. Maintenant, il faut trouver la fin. Voilà. Allez, c'est parti pour le troisième. Donc ici, en fait, il y a une substance violette, genre de microbe, qui prolifère. Et le but, en fait, c'est de réussir à l'enfermer. Je
pense que c'est bon de ce côté-là. Voilà. Et en fait, laisser juste une ouverture. Et à cette ouverture, en fait, ça va être moi. Voilà, là, ça a l'air bon. Mais là, et normalement, ça le bloque. Bon, le temps qu'il prolifère, je vais accélérer un petit peu. Je vous dis à tout de suite. Voilà, après cette accélération, donc vous voyez, tous les microbes se sont transformés en diamants. Donc maintenant, il faut le ramasser sans que je m'emprisonne dans la structure. Où j'en chope 7. Ce qu'il y a, c'est que si les éléphants tombent mal, comme là par exemple, après je me trouve enfermé. Là, ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai le compte. Impeccable. Maintenant, faut que je trouve la fin. Voilà, vite, vite, vite. 27 secondes. C'est calé. Allez, allez, allez. On n'est pas là non plus. 15 secondes. Allez, Cali, allez, allez. Allez là. On a eu chaud là. Allez, dernier niveau. Donc là, c'est encore une autre épreuve. En fait, il faut que je passe les mammouths sur une barre, genre de barre magique, pour les transformer en diamants. Vous allez vite comprendre, il faut que je fasse un maximum de place là. En fait, tout ce qui va tomber au-dessus de la barre va se transformer en diamant. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas assez de place, j'aurai pas assez de diamants. Voilà, là c'est pas mal. On va prendre celui-là, donc il m'en reste 8. On va le virer. Allez, c'est parti. Donc déjà 3. Quatre. 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai le compte. Je vais recompter, mais... Ah, c'est bon. Allez, direction la fin. Ah, elle est pas là. Où c'est qu'elle est ? Pas là non plus. Je vais vouloir aller vite, je vais faire des conneries. Allez. Elle est pas là non plus. Bon là j'ai déjà regardé. Bah, il reste qu'en haut à gauche. Ok, elle est au-dessus. Donc il faut pas que je me fasse avoir par les pingouins. Voilà, pour pas se le prendre sur la tronche. Et voilà. Voilà, après ces deux premiers mondes un peu laborieux, donc je vais vous montrer vite fait un peu les univers qu'il y a dans les autres mondes. Donc vous avez un monde de jungle. Vous avez un monde sous l'océan et un monde dans le désert. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne directement, histoire que je tâte un peu le terrain pour voir si mes vidéos plaisent ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire quel jeu vous voulez que je teste. Vous avez la liste sur le site de la boutique Retro Gaming. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez m'encourager à continuer les vidéos et mon contenu, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne Cali Video Games sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.